Yo, aujourd'hui on construit une pièce secrète. Voilà, c'est l'info. De mieux en mieux. Faites pas attention, je suis chez mes parents, donc entre le papier peint, un banc de développé couché et plein d'autres artefacts étranges, j'ai fait plein de vidéos réactions sur des pièces secrètes, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être chez mes parents, car moi je ne suis que locataire d'un appartement que je n'ai bientôt plus. Je sais, il y a beaucoup de questions qui sont en train de traverser votre esprit, c'est-à-dire construire une pièce secrète, tu vas péter des murs, tu vas... Alors, je suis un petit peu avantagé, vous allez voir pourquoi, mais pas trop. Et croyez pas que je vous prends pour des buses, hein. Non, 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 c'est une pièce qui va vraiment être cachée. Et puisque vous voyez cette vidéo, bah du coup, c'est plus trop secret. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le mieux, c'est que je commence à aller vous montrer, j'ai même pas réfléchi encore, je me lance à corps perdu. Oh, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est marqué sur le... Abonnez-vous. Bon bah, je crois que c'est le moment. Ah là là. Je vais déjà aller vous montrer où est-ce que je compte faire cette fameuse pièce secrète. Et encore une fois, ne faites surtout pas attention au papier peint, d'accord? Faites abstraction de tout ça, concentrez-vous sur le contenu. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, il y a une ref à Star Wars que j'ai pas capté. Donc tout le monde m'a dit, ah la culte, il a pas vu Star Wars, nulard. Le pire, c'est que j'ai vu Star Wars, donc... Je n'ai aucune excuse, car en plus, je les ai en DVD et en Blu-ray. C'est vous dire à quel point c'est vieux ici, hein. Qui a encore des DVD et des Blu-ray chez lui? Allez, j'arrête de faire durer le suspense. Oh, et l'éclairage là. Oh, l'éclairage de chiottes. Ah, ça va vraiment être secret, hein. Vous me voyez? Moi, je vous vois en tout cas, vous êtes jolie. Non, je doute pas de l'emplacement secret de ma pièce. Dites-vous qu'elle est là où je suis. On va accéder à la pièce secrète de par cette pièce. Là, vous êtes en train de vous demander et vous êtes peut-être même en train de douter de moi. Encore une fois, ne faites attention qu'au contenu, qu'à ma tête nue. Ne faites pas attention à tous les éléments autour de moi. Souci, c'est qu'il y a couvre-feu. Je sais même pas si les magasins de bricolage c'est ouvert. Et si je vous disais que je suis actuellement sur ma pièce secrète? Là, je suis dessus. Bon, c'est le moment où je vous montre, hein. Et voilà la pièce secrète. Et alors non, la pièce n'est pas plus commencée que ça. Il y a un trou dans le sol. C'est tout. Là, je vais vous montrer comment c'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été adapté pour que quelqu'un de lambda veuille descendre. Regardez, vous allez voir comment c'est dangereux de fou. Là, je tire ça. Voilà, premier problème, la trappe ne tient sur rien. Il n'y a rien qui la retient et il n'y a pas, vous savez, de... Il n'y a pas les espèces de suspension. J'ai le pire vocabulaire de bricolage. Le truc qui serait cool, c'est de pouvoir sortir de la pièce, mais surtout, une fois que tu rentres dedans, refermer la trappe, quoi. Parce que là, ça fait juste peur. Et il y a au moins un escalier. On descend. C'est hyper drôle, parce que pour moi, ça paraît tout banal, ce trou, là. Parce qu'en fait, je l'ai toujours vu. Genre, ça me choque pas. Mais vous, ça doit vous choquer de ouf, peut-être. La trappe est dangereuse. Mais attention, il y a un interrupteur ici. C'est parti, on descend. Et c'est sûrement là que vous allez comprendre le problème. Ouh là là. Puisqu'il y a le couvre-feu, puisqu'il y a le virus, à défaut de t'accouder au bar, je suis accoudé à mon sol. Ah putain, ça sent l'enfermé, mais je crois... Oh là, vas-y, j'ai la haine. Oh, ça pue. La lumière, c'est juste ça, hein. Ça donne pas trop envie. Est-ce que ça serait pas le moment de vous faire un room tour? Je ne sais pas par où commencer. Alors, je vous jure que dans ma tête, ça paraît plus grand. Donc là, ça serait l'entrée, l'escalier est déjà là. Ici, par exemple, on pourrait faire comme des petits rangements. Oui, je sais, ça demande de l'imagination. Mais la plus grosse partie de la pièce est devant moi. Eh, ça donne envie. Un. Ça résonne pas trop. On a comme une belle acoustique. Je suis dans ma pièce secrète. Putain, je vais devoir tout virer, les saloperies, nettoyer. C'est un peu humide, c'est un peu pourri, mais est-ce qu'on peut y passer la nuit? Non, c'est pas sérieux. À 50 000 pouces bleus. Je suis le pire vendu, je suis une merde. À 50 000 pouces bleus sous cette vidéo, je passe une nuit dans la pièce secrète qu'on aura à la fin de cette vidéo sur ma chaîne secondaire. Mais si à 75 000 pouces bleus sous cette vidéo, je le fais sur ma chaîne principale. Parce que je suis pas sûr que ça vous intéresse de voir un mec dormir dans sa pièce secrète, peut-être potentiellement moisi. Hormis tout ça, sinon, au boulot. Voilà, je vais commencer à enlever toutes les petites saloperies, hein. C'est du ricard ou de la pisse? Petit, mais il y a moyen de faire un bon truc, franchement. Voilà. Eh, j'ai vraiment de la place. Là, il y a beaucoup de bordel. Vous êtes en train de vous dire, il est dans une cave, c'est trop bizarre. Alex, c'est juste une cave glauque. C'est pas une pièce. Faites-moi confiance, ok? Ouah, ça m'a donné chaud de ouf. Je vais faire ça sur plusieurs jours, hein. Oh, je fais pas ça sur une journée, c'est impossible. Mais regardez, ce qui est hyper dangereux, en fait, c'est que quand tu veux baisser ça, faut prendre ici, et dans la descente, faut retenir. Ça pèse le poids d'un âne mort. Dans un premier temps, ce que j'aurais bien vu, pour plus qu'on voit que c'est une trappe, parce que bon là, en toute évidence, on remarque. Je vais essayer de prendre un vieux tapis, le découper et le coller pile poil aux dimensions de la trappe. On aura bel et bien l'impression que c'est un tapis, du coup. Ça demande de l'imagination,
Mais c'est à peu près ça dans l'idée, mais en mieux. Ah, heureusement que je suis pas commercial, hein. On m'achèterait pas grand chose. Faites-moi confiance, j'aurai ma pièce secrète. Heureux, j'ai fait pas mal de choses, j'ai pris les mesures, j'ai commandé quelques petits objets. J'ai aussi un peu cherché ce que j'avais déjà chez moi, du coup là je suis dans mon garage, et... Pour ceux qui ont vu la vidéo, ça c'est ma voiture. Je l'ai vraiment rangé comme si c'était un bibelot. Et du coup, faut que je vous montre un peu. Sachez que dans l'éventualité où je devrais passer une nuit dans la pièce secrète, je suis équipé. J'ai demandé à mon père et il a retrouvé ça. C'est un radiateur électrique. Ah, c'est un vrai daron yougoslave. Une idée, une envie, un besoin, tu les demandes. Un moteur de tondeuse, j'ai. Pourquoi? J'ai pris les mesures de la pièce. Alors, je sais qu'en vidéo, ça vous paraît pas très grand. Et pour la preuve, j'ai un mètre. Ah, alors, maintenant vous êtes obligé de me croire, la pièce fait plus de 6 mètres carrés. Ah, la vision des enfers, je suis en ex-URSS dans un bunker russe. J'aurais peut-être dû mettre des gants, hein. Bon, tant pis. Ça pèse lourd la gnôle. Je vais tout vider comme ça, et peut-être que je vais trouver un nouveau virus. Le premier il venait de Wuhan, le deuxième il viendra peut-être de chez moi. Enfin, je suis pas sûr que ça soit une réussite, hein. Je vais me guillotiner sans faire exprès, non. Bon, je vais peut-être vous passer les plans, parce que je suis pas certain que ça vous intéresse finalement. Waouh. C'est là que je me rends compte tout le bordel qu'il y avait. J'ai mis mon masque parce que je suis allergique à la poussière et à l'humidité. Et c'est marrant parce qu'en bas, il y a de la poussière et de l'humidité. Ouh ! C'est en sortant tout que je me rends compte que c'était blindé. Vous allez craquer. J'ai pas encore tout sorti, il y a déjà tout ça. Mais qu'est-ce que... Comment c'est... Il y en a aussi derrière. Hein. Je suis essoufflé de ouf. Oh ! C'est vous dire le bordel qu'il y avait en bas et surtout comment bah la pièce elle est pas si petite que ça. Je lâche rien, j'aurai ma pièce secrète. J'ai enlevé le truc qui était ici, il est trop grand et ne passe pas. Bah j'arrive pas à le sortir en fait. Au pire je le casse en deux. Hein. Un bon coup de drôle, un bon coup de godasse là-dedans. Pas très crédible au vu des chaussures que j'ai au pied quoi. Et voilà. Ouh ! Les derniers trucs sont enlevés. La pièce elle était blindée de saloperie. Ah la belle crise d'asthme. Dans la tête Alex. Tu hyperventiles. Et franchement, s'il vous plaît, mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous. C'est sûr que c'est mes idées, hein. Et je suis content de les faire, mais je suis encore plus content que ça vous plaise, donc... Je vais vous montrer la pièce. J'ai pas encore fait le ménage, évidemment. Mais... Ah ouais, ah ouais. Ah, la différence de taille. Là, c'est toutes les vis que j'ai enlevées. En fait, là, j'ai pas la caméra d'habitude, et du coup, j'ai pas de grand angle. En fait, vous savez, le grand angle, c'est quand c'est plus grand angle. Merci Alex de la précision. Enfin vous avez capté, genre vous voyez plus grand. Là du coup ça paraît petit, mais on a gagné une place folle. Alors, vous voyez tout l'espace que j'ai récupéré ici, tout l'espace qu'il y a là-bas. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a une prise de courant ici. Et une aussi ici. Ah, c'est ça qui est cool en fait, c'est que je vais pas au moins de problème d'électricité pour brancher des trucs, des machins. Je sais plus parler, on se retrouve demain, transition aspirateur. Les gens au petit déjeuner, ils mangent des fruits, du chocolat chaud. Moi, je mange la poussière. J'ai reçu des choses. Alors ça, croyez-le ou non, mais c'est un tapis qui va aller là. Ensuite, j'ai un deuxième tapis qui lui va aller. Il va servir à cacher la trappe. Donc le tapis sera là. Et évidemment, ce tapis sera collé sur la trappe. Le but, c'est que quand moi je m'enferme et que je réouvre, le tapis suive, quoi. Bah, sinon, bah c'est nul. D'ailleurs, ça sent beaucoup moins l'humidité depuis que j'ai enlevé tout ce qui était pourri, je crois. Vous inquiétez pas, j'ai d'autres trucs, hein. J'ai pas juste deux tapis. Parce que là, je sais, vous êtes en train de vous demander, pour les plus observateurs d'entre vous, mais la trappe, une fois que tu es dans la pièce, comme je suis actuellement, comment tu l'ouvres? Il n'y a pas de poignée. Donc, il y a une poignée quand je veux y rentrer, mais il n'y a pas de poignée quand je veux en sortir. J'ai trouvé une solution pour ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. J'ai acheté des ventouses à chiottes. Non mais alors, je m'explique. Parce que je suis pas hyper bricoleur, donc je me suis dit que pour sortir la meilleure des solutions, c'était une ventouse que j'allais mettre sur la trappe, pouvoir m'enfermer et réouvrir quand je veux avec une ventouse à chiottes. Faut être inventif quand on n'est pas bricoleur. Je dis que je suis pas bricoleur, mais regardez ce que je peux sortir de mes poches. Un cutter, mais c'est pas fini. Je peux aussi sortir un mètre. Ça, c'est moi depuis quelques jours. Je vous propose qu'on essaye la ventouse à chiottes. Est-ce que... Si je peux vous mettre ici. Ouais, ça a l'air de coller. Bon, c'est des idées, hein, qui me viennent comme ça. Je dis pas forcément qu'elles sont bonnes. Je dis juste qu'elles ont le mérite d'exister. Ça marche de ouf. Ça m'a aspiré le ventre. Et toi, tu peux attraper les gens. C'est ça, une relation toxique. Je reprends la caméra. Putain, là j'ai un peu peur de ce que je vais faire. Je crois que ça marche. Bon, je vais essayer, attendez, parce que j'ai pas envie d'essayer avec la caméra dans les mains. C'est un pauvre coup. Et je vais mourir tout bêtement. Et bah voilà. Bah c'est parfait ce plan. Donc, si je meurs, ce plan est parfait. J'espère que je peux ressortir au moins, parce que si je fais ça... Wow, c'est lourd d'ouf.
Je sais pas si je suis. Je crois que je viens de m'emprisonner. En fait, c'est ça, j'ai pas dosé que c'était plus facile de tirer que de retenir. En plus, là, je suis tout seul chez moi, donc si j'arrive pas à ressortir, mais en tout cas, ça marche. Ah, ça a le mérite d'exister. Putain, j'ai peur de ressortir. Mais je pense que ça va être plus simple de ressortir. Oh. Ouais. Alors, ça marche. Enfin, je ferais peut-être pas des allers-retours, quoi. Bon, bah, au moins, le test de la ventouse est validé, hein. Moyennement validé, mais validé. De toute façon, est-ce que j'ai une meilleure option? Bof. J'ai dit que je ferais une pièce secrète. J'ai pas dit que je ferais un truc de ouf. Je vais mettre le tapis. J'ai besoin de me rendre compte de comment ça rend un peu... Ah bah, on me voit pas. Je suis youtubeur sans tête. Quel contenu, vraiment. On repousse les limites, hein, dans cette vidéo. Merci, Alex. Il y a un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour poser un tapis. J'espère que mon tapis... Et de plutôt bonne qualité. Bon, ça m'a l'air d'être un peu une merde. Ah ouais, mais je me suis fait baiser de ouf sur la taille, en fait. Alors, ne jugez pas mon tapis. Il rendait mieux sur les photos. C'est pas beau. Bon. Il était gris clair, moi, à la base. Pourquoi j'ai un dalmatien, là? J'essaye de le pousser avec mes pieds, comme s'il allait prendre plus de place. Mais attends, j'espère que celui-là, il a la taille de la trappe. Je vais virer un peu le bordel, il est un peu grand. Mais en vrai, ça, parce que finalement, la trappe, elle est pas beaucoup plus petite que ce tapis-là. À chaque fois que je suis fatigué, je me repose sur cette porte. Je sais pas si vous avez vu. C'est que je vais vous passer un peu les prochaines étapes, parce qu'en vrai, vous avez déjà bien vu des trucs. Je vais avancer un petit peu de mon côté. Je vous avoue que c'est compliqué, en fait, d'avancer en filmant. Ça ressemble à quelque chose, parce que sinon, vous croyez pas en moi, là. Non, mais je sais. Bon, allez, j'avance un peu de mon côté. Il est 20h38. J'ai franchement bien avancé. Là j'en peux plus là. Faut que je prenne une douche. J'ai les cheveux plus gras que mes doigts lorsque Burger King est arrivé dans ma ville. Je vais vous montrer l'état de la pièce. Oh, ne skippez pas. Si vous avez skippé, vous avez manqué mon jeu concours pour gagner 500€. C'est complètement faux, mais ne skippez pas, restez avec moi. On est dans la même galère. C'était un peu une agression là ce que j'ai fait. C'est pas voulu, hein. C'est vraiment juste parce que je voulais voir le colis. Pour vous montrer ce que je vais rajouter dans la pièce. Je me donne du mal pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, bah déjà, merci beaucoup. Surtout, évidemment, un gigantesque bouton s'abonner. C'est une plante. Pour l'instant, je ne suis pas peu fier de ce que j'ai fait. Alors attention, hein, il reste encore les lumières, l'électronique à descendre. Et franchement, avec la petite plante et les premiers meubles, je suis déjà super satisfait. Regardez. Hey, ça commence ou pas? Dites-vous que là, il n'y a pas encore la déco. Ça fait la différence! D'ailleurs, si un épisode 2 vous intéresse, bah, je suis archi preneur s'il y a des bricoleurs parmi vous, des gens qui ont des bonnes idées, des idées pour les murs, pour le sol, et que vous voulez que je passe la nuit là-dedans, bah, faudra sûrement que je la remodifie encore un peu. S'il y a des bricolos parmi vous, moi, je prends de ouf, hein. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que sous l'escalier, je vais mettre un matelas gonflable qui va venir s'arrêter là. Comme ça, je pourrais dormir ici. Avec la télé là, je suis plutôt fier de moi, hein, pour le moment. L'autre partie de la pièce, ici il y aura un peu de déco, là pour l'instant j'ai juste mis ce petit meuble. Et dernier élément important, voilà. Je trouvais ça plutôt cool. Un Macron grandeur nature. Quoi, vous aimez pas? Bah après cette année 2020, on est devenu assez proches. Et après tout, j'ai plus vu que ma famille ou mes potes, donc on a tissé des liens. Quoi, vous aimez pas? Allez, c'est sympa, c'est cool. Franchement, ça habille la pièce. Bon voilà, moi après tout, je suis youtubeur, pas décorateur aussi, hein. Et j'ai rajouté deux tapis qui traînaient chez moi. Lui, en vert, et là-bas, en rouge. Bonne nuit, Emmanuel. Je viens de recevoir le dernier colis. Je suis tout content, j'ai 5 ans. Allez. Bon, alors, par contre, je suis désolé, hein, j'ai le pire style vestimentaire. Autant au début de la vidéo, il y avait un petit effort. Là, on... Ouais. Je dépasse les bornes. Elle est exceptionnelle, ma pièce. La chose la plus importante que j'ai reçue. Matelas gonflable. Et je vais aller le mettre... Là-bas, ça va être incroyable. Je me découvre des talents là, optimisation de l'espace. C'est marrant parce que je fais cette vidéo, j'ai aucun recul sur ce que vous allez en penser. Les murs là, tout est... Ça fait... C'est ça le problème actuellement, c'est les murs. Et je suis pas complètement con, parce que quand j'ai retiré les anciens meubles pour les bouteilles de vin qui ne servaient à rien, il y avait des trous dans le mur. Et du coup, j'ai remis des crochets. Il y en a un ici, un là. Et un autre là. En plus, ils sont à équidistance. Et j'ai dit équidistance. Quitte à avoir des parpaings. J'ai acheté des néons. Voilà, je suis tout content d'avoir acheté des néons. Alors, quand j'ai acheté ça, c'était dans la rubrique chambre pour enfants. J'ai fait abstraction de ça. Voilà. C'est beau aussi. Pourquoi pour les enfants? Tout ça, c'est des néons. Je suis trop content. À la base, ça part d'un délire non maîtrisé, cette vidéo. Mais il y a vraiment moyen qu'à la fin, là, je sois calé, mais de fou furieux, en fait. Ah oui, et si vous voyez des objets qui apparaissent comme ça, sans que je vous le dise, c'est normal, hein, c'est parce que je les mets au fur et à mesure, et je vous en parlerai à la fin, parce que bon, déjà, est-ce que cette vidéo est pas trop longue? Si vous aimez ce genre de format, allez, on va mettre le matelas, ça va être génial. Quelle idée ouf, le matelas! Ils m'ont tout donné pour le gonfler.
Autre truc de fou, j'ai de la 4G. Alors, j'ai pas beaucoup de co, mais j'en ai. Bon, alors en fait, le truc pour charger, ça met 5 heures à charger, donc j'ai pas envie d'attendre. Ah, bah ça gonfle à vue d'œil. Les émotions me viennent, ça fait 4 jours que j'arrête pas avec cette pièce. Je commence enfin à ressembler à quelque chose. J'ai bientôt fini de gonfler, ça va être fabuleux. Non mais sérieusement, c'est trop incroyable ce que je suis en train de faire. C'est trop bien, c'est si bien optimisé ce que j'ai fait. Mais en fait, je passe ma meilleure vie en fait. Là, avec des coussins, Netflix, une télé là-bas. Et j'ai pas décoré encore. Je pense que vous en avez assez vu. Je vais décorer et il y a vraiment qu'on se retrouve pour la pièce quasiment finale. Le tapis. Oui. Pour l'instant, c'est pas secret. Je suis tout hypé. Bon, allez, je vous spoil juste un seul néon. Oh. C'est un sacré spoil, hein. Oh putain, l'émotion. On a vraiment l'impression que je suis dans une cave. Va vraiment falloir que je fasse la déco. Hein. Parce que là, on a vraiment l'impression que je suis séquestré. Mais séquestré avec une belle lumière. À demain, Emmanuel. Dernier jour. Et comme un symbole, regardez. Il a neigé. Il a neigé partout. Oh, j'ai failli glisser. J'ai plus l'habitude. Les gens de la ville. On a 7 ans dans cette vidéo. Des pièces secrètes, de la neige. Ah, j'adore. Attends, par contre, j'ai froid à la main. Ah, j'ai la main gelée. Ah. Alexandre, 24 ans, découvre la neige. Concernant la pièce secrète, elle est terminée à 95%. J'ai trop hâte de vous montrer. Transition neige. Regardez, j'ai tout viré. Plus que le tapis à mettre ici. Et vraiment, je suis une merde. Hein. J'ai tout viré pour faire la minia. Comme ça, je me suis dit. Alors, on a une belle miniature. Oh, ça, c'est mon métier. Pour l'instant, problème. Quelqu'un arrive ici. Il veut se laver les mains. Car avec le Covid, on n'est jamais trop prudent. Et, oh, du bruit sous mes pieds. Mais qu'est-ce que c'est que donc? On dirait une trappe. Vous avez capté, ça le fait pas. Le tapis que je vous ai montré en début de vidéo, je l'ai recoupé. Ça va être parfait. Et en fait, je vais le coller pour que... Voilà. Comme c'est un tapis avec des poils, on n'entend plus les bruits de pas. Alors, je sais pas si ça va tenir. J'ai mis des scratchs pour cadre. Normalement, c'est censé tenir 7 kilos. C'est pour mettre des cadres au mur. Donc, bon, on parle d'un tapis, quoi. Je suis le pire bricoleur. Pour être sûr que ça colle, je mets mes mains sur les scratchs et je fais des pompes. Ça fait de la pression. Voilà. Bon bah, ça devrait être bon, hein. Plus qu'à essayer. On se retrouve encore sur la même porte. J'en reviens pas. J'ai fini et là je vais faire ce à quoi normalement je réagis en vidéo. Ma pièce secrète, regardez. Non mais sérieusement, qui personne va arriver là et trouver. Ayo, secret room check. Je peux faire comme les petits branleurs de TikTok. J'ai mon tapis, je passe ma main en dessous. Vous pensiez pouvoir gratter un peu d'infos? Il n'y aura aucun spoil. Je me suis mis en short, hein. Total détente. J'en reviens vraiment pas, sérieux. Je vais chercher ma ventouse. C'est une consécration. Oh. Je crois que c'est bon. Ah bah là, vous ne voyez plus. J'ai disparu. Ça rend comment d'extérieur? Enfin, je veux dire, dans le monde normal. Wow. Bon allez, j'arrête les conneries et je vous montre. Je suis dans ma pièce secrète. Waouh, c'est réel ce qu'on vit, merci YouTube. En toute transparence et objectivité, c'est 10 fois mieux que les hôtels les moins bien notés où je suis allé. Le radiateur décorante, il est chaud et ça, franchement, ça fait le taf. Hein. J'ai rajouté une télé, la PlayStation, un cerveau. Parce que faut pas être très net pour avoir des idées comme ça. Tout fonctionne. Alors ouais, je sais, les murs, bon. Si vous avez des idées, s'il y a des bricoleurs parmi vous. Ici, j'ai fait un petit camp Pokémon, nostalgie d'enfance. Ah, ça serait calé avec une meuf ici. Ça serait calé de ouf avec une petite meuf. Quoique c'est glauque avec les murs. J'ai rajouté un tableau. Là, j'ai fait un cœur, comme un gros fragile. Faudrait qu'on lui donne un nom à cette pièce. Dans les commentaires, je vous attends là. Je sais pas, là... J'en ai aucune idée. Pour l'instant, on va l'appeler... La pièce. Peut-être la pire idée, je viens de tout niquer quoi. Vraiment toute la vidéo là, le charme est tombé. J'ai rajouté un ballon de foot, comme si il y avait la place. 1, 2, 3, 4, 5. Niveau déco, vous allez voir que je me suis pris la tête quand même, tout est cohérent. Là il y a une glace en néon, du coup j'ai rajouté un cornet de glace fondue et un cornet de glace normal. La cohérence avant tout. Oui, là-bas, des lumières. Je peux changer. On veut une ambiance peut-être un peu plus brosson, un peu plus love, un peu plus contrasté.
ici c'est un néon flamant rose, du coup j'ai rajouté. Quoi? Non, non, c'est pas une brosse à chiottes. C'est au cas où il y a des araignées. Hop là, hop, hop. La cohérence, la cohérence, la cohérence. Ici, c'est la multiprise qui est reliée en haut. Alors, j'ai ramené la PS4, mais aussi mon ancien MacBook, puisqu'il a un port HDMI. Grâce auquel je vais pouvoir regarder YouTube, Netflix, ce que je veux. L'autre partie de la pièce, j'aménagerai encore un peu mieux, mais ça laisse des axes d'amélioration. C'est cool. Notamment les murs aussi. Regardez la vue que j'ai quand je suis dans le lit. Et sérieusement, ça tue, hein. Je vais allumer la télé après. J'ai mis mon premier trophée YouTube, encore des néons. Un cactus, et comme évidemment on veut de la cohérence, non pas une brosse à chiottes mais un attrape-araignée, cactus, ainsi qu'une structure gonflable, cactus également. Je suis cohérent. Je suis comme un gosse. En gros, voilà ce que ça donne. Si j'allume, est-ce qu'on voit un peu mieux? Sincèrement, je suis pas peu fier de moi. On part d'une cave toute moisie, à la limite de l'insalubrité. Oh, la PS4 fonctionne. Je vous ai dit que j'avais de nouveau 4 ans. Oh là là, mais quelle vie, sérieux. Je ne sais plus jouer du tout à ce jeu, hein, mais je m'amuse au moins. Si vous vous demandez comment ça se passe pour la Wi-Fi, la co, etc. Bah j'ai 5 barres 4G. J'ai juste à faire un partage de co. Là, il y a aussi une multiprise pour brancher son téléphone, pour dormir, ou son ordi. J'ai même laissé une pompe sous l'escalier, au cas où mon matelas se dégonfle. Trop satisfait, j'ai fait ça tout seul, et c'est le truc que j'aurais trop voulu avoir quand j'étais petit. Dites-moi si vous voulez que je passe une nuit dedans, si vous avez des idées pour qu'on l'améliore. Si t'es resté jusque-là, bah merci, en fait, et pense à essayer de trouver un nom pour la pièce secrète. T'as kiffé, bah abonne-toi, laisse un pouce bleu, c'est la meilleure des récompenses pour moi, et je suis trop content.